Hop, allez. Oh, bonjour Dark. Comment tu vas? Ça va bien? Ouais, désolé, j'étais pas devant le stream, je préparais un peu à droite à gauche. Je me faisais mon café, puis j'ai pas le faire tomber cette fois-ci. Mais bon, là, on le verra pas, là. Ben, moi, ça va. Et quelle heure? 10h10? Ouais, ça va, ça fait 40 minutes que je suis debout, moi. Ouais, je me lève tard, moi. Je sais pas si je vais faire du VR avec cette voiture. Je sais même pas sur quoi je vais partir déjà. Quel type de course je vais faire avec ça, moi? Je connais pas trop la voiture. Donc je sais pas avec quoi je vais partir. Est-ce qu'il y a de la course master et tout sur en pro? Non, il n'y a pas de course master en pro. Ok. Je vais avoir un amateur. Ah, les boxers. Ah, si, tiens, une master roster cup. On peut essayer ça. Fait plusieurs petites courses, je sais pas. Sportant, ah, je suis pas sûr que j'ai du sportant dans un pneu là. Je vais bien voir. Fais bien voir. Ça se met automatiquement que ça va. Bon, bah, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Voir si j'arrive à piloter cette voiture. Ça glisse, ça glisse.
Ouais, faut que je sois délicat avec le joystick là. Ça va, ça se voit pas trop mal le MX5. Cette chicane, il a pris mieux que moi. À mieux maîtriser les deux chicanes. C'est mal pris.
améliorer son tour jusqu'au dernier. Eh ben merci Mustel. Ah, c'était bien sympa. C'était bien sympa. La Mustel mobile. Une maquette sur une par rapport à une Mazda MX-5, elle avait noté sur son stream que c'était la voiture de ses rêves. Puis Mewstel, voilà, c'est un Mew, ça m'a évoqué Mew et ça m'a donné l'idée de faire une voiture à son image. En sachant que là, actuellement, en plus, elle a mis sa maquette de sa MX-5 de côté. Parce que là, elle fait un petit maquette d'un petit personnage Gundam. Gundam, je crois que c'est un petit manga japonais. La carrosserie en noir, puis j'ai trouvé un verre pour marquer le nom de la chaîne. Mais c'est dommage qu'il y a le numéro de la course, hein. Donc on voit pas tous les détails de ce que j'ai fait sur la voiture. Rajouter des petits bas de caisse, des petits spoilers, des ailerons. Je verrai si je peux changer tout ça. Les roues sont pas bien larges, je pense que je pourrais régler des roues un peu plus larges. Ouais, je ferai un petit changement. Je les transformerai un petit peu plus. Je pense qu'on est quand même sur la coupe d'origine à peu près. Et sinon ça va. Mal quand même.
derrière avec sa petite Mazda rose là. Il attendait toutes mes erreurs quoi, hein. Chaque erreur était quasiment fatale quoi. Incroyable ça. Lâchez pas ce deuxième. On a fait gagner la Mustang, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Il n'y a pas un circuit un peu plus que je connais très bien, non? Blue, je sais pas trop celui-là. Circuit en ville, on peut peut-être un peu plus rigoler en ville. En ville, il y a plein de... Il y a des murs et tout. Je vais peut-être tenter celui-là, tiens. Ouais. Tu veux montrer un truc, fils? Tu veux montrer une vidéo? Vas-y, elle est longue. Hein? Ouais, 17 secondes, vas-y, montre. C'est toi qui l'as fait? C'est quoi ça? C'est sur Roblox? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ta vidéo, fils. Bah allez, je vais voir comment je me débrouille avec la Mustel mobile. En ville. Oh. En ville, en plus de nuit. Ah non, pas la nuit, j'aime pas la nuit. Je pensais pas que c'était nuit. Le peuple demande la Dobby mobile. Tu veux que je fasse un tour de Dobby? Un petit tour de Dobby, ouais, bah je ferai un petit tour de Dobby après. Je sais pas si je l'ai faite sur Gran Turismo 7, la Dobby. Mais j'irai voir si elle est là.
Je sais pas si c'est une conception que j'ai faite sur Gran Turismo 7 direct ou si j'ai Ah, ils ont tendance à te faire des queues de poisson dans le jeu, c'est un truc de fou. C'est des grands fans de la queue de poisson. Hein. Je vais le prendre de l'extérieur. Eh non, les gars, je peux pas, je peux pas. Ah, quand même, il a regardé dans son rétro là. Je sais plus où le virage là, voilà, à la droite. Bon, la prochaine fois je m'arrête, je me mets en warning là. Oh, comment je l'ai mal passé ce... Moi j'aime pas le passer cette épingle à cheveux, mon Dieu. Ouais, c'est ce que je disais. J'ai eu deux accidents quand même, hein. Je me suis tapé l'autre voiture là, qui m'a fait la queue de poisson. Je me suis mangé le mur à droite là. Je sais plus à quel moment, mais je verrai ça tout à l'heure. Ah bah là je voulais manger trop à l'intérieur, j'ai encore touché le mur. Monsieur avait ses liquides, ça marche pas ça, ça marche pas. On peut pas couper. Bon, je suis arrivé à passer à 60 km/h à peu près quoi. Allez, 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 60, 60, 60, 60, 60, je le passe à 60, je passe à 60. Voilà. C'est mieux que tout à l'heure là, je vais passer à 40 quoi.
Bon, on va essayer de pas faire comme le chauffeur de notre chère Diana quand même dans ce tunnel. Je peux me permettre de faire des trucs comme ça là. Le seul endroit où je peux vraiment couper. Pas trop à l'intérieur, voilà. Je peux couper ou non? Ah non, c'est le virage. Ah, c'est le virage à 60, c'est le virage à 60, à 60. Ah, j'ai pas de 60, j'ai dit. Ah. C'était un peu mieux juste avant, dommage, dommage, dommage. Ah, je l'ai réussi en moins de 2 minutes ce tour. C'est pas mal, c'est pas mal. En sachant que j'aime plus les circuits de nuit. Bon, faut que je voie ces petites erreurs là. J'avais fait deux petites erreurs. Puis après j'irai voir si j'ai l'Adobe sur, sur Gran Turismo 7. Je l'ai fait dans Gran Turismo 7, tous dans Gran Turismo Sport. La Dobe Immobile, demandée par Dark. Juste un petit tour bonus pour Monsieur Dark. J'ai vu comment elle a chassé du cul la voiture là. C'est
C'est dommage qu'elle a pas des attaques psy, la mucelle mobile. J'enverrai une onde de choc quand j'arrive, juste pour qu'il se pousse, quoi. Eh non, on n'est pas dans Pokémon. Hein. Oh lolo lolo, le coup de peinture. Hein. J'ai vu les étincelles. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai tapé. Bon, je sais que j'ai tapé une voiture grave, quoi. Ça se sent que j'ai déjà loupé le... Bon, je vais repérer ces deux accidents là. Je vais repérer un des concurrents que j'ai percuté. Et une touchette d'amure sur le côté droit de la voiture. Et là je viens de voir une touchette de gauche, je n'avais pas fait attention. Voilà, ça c'était ma touchette. Donc c'est-à-dire que j'ai raté le choc avec l'autre voiture, ok. J'ai pas fait gaffe où c'était. J'ai mal regardé là. Très mal regardé. Il faudrait vraiment que j'arrive à passer vraiment entre les deux. Que je roule pas dessus. Ce serait une espèce de petit boudin là au niveau de la chicane. J'aimerais me placer comme un système de rail. Pour essayer de passer ce virage plus vite. Là j'ai touché un peu aussi je crois. J'ai trop près intérieur. Je vais me toucher à droite. J'ai pas trop mal pris là. Ça va être le troisième tour ça. Et je crois que je suis passé un petit peu moins vite au niveau du dernier tour normalement aussi. Mais après j'ai dû gagner du temps un peu plus sur d'autres portions vu que j'ai réussi à passer la barre des moins de 2 minutes. Je pense que ça c'est l'avant-dernier tour, je pense. Hein. En tout cas, j'ai pas rattrapé les derniers sur ce coup-là. Ouais, là, je prends trop là. Là, je monte trop dessus là. Avec une vitesse un petit peu plus, c'était un coup à faire un tout droit, ça. Mais normalement, il n'y a plus de touchette, hein.
Ah voilà, là je me suis dit là. Je me suis dit avec celui qui pas trop près, pas trop près, pas trop d'intérieur. Voilà, je suis redescendu à 59, 58. Donc j'avais pris un peu mieux sur le tour d'avant. Ok. C'était pas mal, là c'est mieux, voilà, là faut que j'apprenne comme ça, là il était bien pris là. Donc je pense que j'ai gagné mes précieuses secondes ici, je pense. Ok, bah c'était pas mal. Non mais franchement c'était pas mal. Bon j'allais voir pour une demande, pour la demande de Dark si je trouve la. La Dobby mobile, parce que je ne sais pas si je l'ai sur sur Gran Turismo 7. C'est vraiment une petite course bonus que je ferai. Allez, voilà l'atelier. La Dobby mobile, je sais pas si je l'ai faite sur ce jeu, sur cette sur ce jeu-là. Ça c'est les Willow TikToker, ça c'est quoi ça, c'est un que je vais copier, ça c'est moi, ça le Bois 73, là le Naomobile, la Fabien Lambret, la Mec Durand, c'est lui qui, ça c'est quoi ça, ça c'est Urquiza, ça c'est TFR, ça c'est encore avec c'est lui qui, ça c'est Wolverine spécial, c'est quand je faisais des voitures perso. Je sais pas si je l'ai faite là-dessus, la Dobby Mobile. Je me rappelle même plus c'est quoi en plus comme modèle que j'avais fait. La petite Dobby. Là, ça c'est la Supra de Monsieur Walker. Je fais doucement parce que. Si jamais j'ai fait là, je la verrai pas. Mon regard est super lent. Non, je crois pas que j'ai la Dobby mobile Dark là-dessus. Je pense que c'est un modèle que j'ai fait que sur Gran Turismo 7. Je pense que c'est un modèle que j'ai fait que sur Gran Turismo 7, ça. Ouais, la conception a dû se faire là-bas. J'ai combien de voitures là? Parce que c'est bon, hein, c'est un truc de fou ça. Je vais pas passer ma vie à regarder les voitures. Hein. Mais bon. Faut que je sois sûr que c'est pas ici que je l'ai faite. Non.
je la vois pas, sinon elle serait déjà. Je l'aurais déjà vue, je pense. Je te dis, je me rappelle même plus le. Qu'est-ce que c'était comme voiture. Après, je sais qu'elle était verte, hein, déjà. Je suis quoi, qu'à la moitié en plus. Waouh. C'est vrai que Gran Turismo 7, j'ai joué beaucoup, donc ça en met, j'ai beaucoup de voitures. Non, je pense pas que j'ai la. Non, je crois pas que j'ai la Dobby Mobile. Hein. Pas sûr là. Hein. Je pense que sur le ce stream de ce matin là. Désolé mon petit Dark. Tout cas, des RCZ GR3 là, j'en ai une paire, dis donc. 911, pareil, j'en ai trois au moins des 911 là. RSR. Il va falloir que je les transforme, que je change un peu le concept de tout ça. Ça. J'ai trop de doubles. Lanceur Evo final, lanceur Evo final. Corvette, Corvette. J'en ai du double. Oh, des Hurricane GT3 aussi, j'en ai trois. Moi aussi, j'ai deux fois le même modèle. J'ai beaucoup de doubles, hein. Il va falloir que je fasse. Je fasse des niveaux concept. Ouais, faire que je fasse du nouveau concept là. Hein. Après, c'est bien que j'ai des doubles. J'avais dit que je ferais. Que je ferai des voitures dédicacées dès qu'on passe affilié, dès qu'on passe au point de chaîne. On mettra des challenges de points pour personnaliser les voitures au niveau de nos amis. Tu vois, je ferai des propos. Non, non, j'ai pas la Dobby mobile. Dark, je suis désolé, je l'ai pas. Si je l'avais pas fait, la conception, je l'ai pas fait sur ce jeu. Désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé, mon cher ami, je suis désolé. Par utilisation, c'est déjà par utilisation. Ça c'est la Willow TikToker. Je vais te faire un petit tour vite fait, voir si une petite botte Willow TikToker. Ça c'est quoi? Ça c'est pas un streamer spécifique. Ça c'est la Ouba 73. La Ouba mobile. La Mustang mobile, tu l'avais vue. Et non, faut que je reste dans le garage pour que.
Ça, c'est la Mustel. Ça, c'était la mobile. Non, la nano mobile, tu connaissais. C'est un peu comme la Casa mobile, elle est que sur Gran Turismo 7 aussi. Tu vois? Ça, c'était la fameuse Now Mobile. Alors, Now Mobile, la Uber Mobile, la Widget Tucker Mobile, la Mustang Mobile, la Fabia Lambre Mobile. C'est vrai qu'entre-temps. J'avais racheté Gran Turismo 7, donc après j'ai commencé à travailler un peu sur Gran Turismo 7. La Mike Durand. J'aimais bien la Mike Durand aussi, c'était un vieux modèle. C'était bien sympa. J'aimais bien, c'était tous les petits coups d'eau que j'avais rajoutés, je les ai entièrement. Avec plein de formes géométriques que j'ai. J'ai superposé, je me suis amusé à faire des petites gouttes d'eau, ce qu'on appelait les gluants sur sa chaîne. Donc j'aimais bien les gluants chez Mike Durand. Et puis j'aime bien que moi j'avais marqué ça, c'était bien sympa. J'aimais bien comment c'était fait. J'avais bien aimé cette conception. J'avais bien aimé cette conception. Je crois que ça, c'est quand j'ai commencé à streamer. Je m'étais auto-sponsorisé, on va dire. Je m'étais auto-sponsorisé, donc cette fois je faisais une des premières voitures que j'ai faites par rapport à des chaînes. Et ça, c'est parce que j'avais fait ma chaîne sur Twitch, donc je me suis auto-sponsorisé. Ça c'est qui cette forêt. Il jouait à F1 2021, je crois, à l'époque, quand j'ai commencé à le regarder. Puis un jour j'ai dû le voir jouer sur Gran Turismo, alors je me suis dit tiens, je vais faire une petite dédicace à eux qu'ils aient fait. Quoi qu'en ce moment je vois pas beaucoup streamer. Ça c'est la TFR, la TFR Family. Sachant que TFR Family, c'est un ami d'enfance IRL, quoi. Hein.
non plus. J'avais dû le voir débarquer une fois sur mon stream. Il me dit, mais si, tu me connais, tatati, tatatou. Ah non, non, c'était bien, c'était folklore. Et j'ai appris que c'était un de mes amis IRL, quoi, d'enfance. Bon, voilà, j'avais pas fait d'autres hein, après au niveau des streamers. Ça, c'est ma deuxième sponsor, puis après, c'est fini. Après, c'était les modèles que je m'amusais. Ça c'est quand la nouvelle Alpine est arrivée en France. La nouvelle Alpine de la gendarmerie, donc je l'avais faite. J'avais été récupérer des photos sur internet et tout. Donc normalement, si on la croise sur les routes, c'est ce qu'on doit voir, quoi. J'ai essayé de faire au mieux par rapport à tous les détails. Après, il y a peut-être des fautes, hein. Pas facile à faire tous les arrondis, tout ça, quand même. Je pense que je m'étais pas trop mal débrouillé. C'est une belle, 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 belle reproduction. Et puis voilà, non mais c'est bon, j'ai fait le tour. Hein. Ça c'est l'ancienne Mégane de la gendarmerie. Ça c'est une des premières Alpine. La première, oui, on va dire, on peut dire que ça soit quoi. La première Alpine qu'ils ont dû utiliser les gendarmes dans ces années-là, quoi. En 72, je sais pas s'ils l'ont eu en 72, ils l'ont peut-être eu un peu plus tard, je sais pas, c'est pas, mais bon, non mais voilà, je vois pas d'autres. Non, je suis désolé. Ça aussi, ça c'est des modèles gendarmerie que moi je m'imaginais, pareil. Je me suis imaginé une Mégane RS, et sinon c'est en 208 moi, la police de Reims, je crois. J'ai pas fait la 208 police de Reims, non? Ah ouais. Parce qu'ils sont pas en Mégane, hein, nos amis de la police. Je crois que j'avais fait une. Peut-être que je l'ai faite que sur. Pareil, Gran Turismo 7. Ouais. Ouais, peut-être que j'ai fait que là. Oh, les Zambabus, j'en ai beaucoup, les Zambabus. Dis donc. Ah si, elle est là, la fameuse 208 de la police. Ok. Je vais redescendre en bas, je vais voir un truc vite fait. En bas, c'est vraiment les voitures que j'ai pas touché tout à fait encore. Hein. Désolé Dark, j'ai pas la Dobby. Il n'y a pas la Dobby là. Donc, je vais retourner avec la Mew, hein. Avec la Mew Stell. La Mew Stell mobile, hein. Ouais, je pense que je ferai un petit transfert sur le 7 là, je pense que je changerai le petit spoiler avant là. Je mettrai une petite jupe latérale là, un peu plus basse. Après faut que je voie pour l'aileron, j'ai pas trop d'idées, faut que je voie un peu avec l'aileron, on verra bien.
Je sais pas si je rajoute un petit aileron. Ça le rendrait peut-être un peu plus agressif. J'élargirais un petit peu les ailes aussi, je pense que c'est possible. Ouais, j'irai élargir un peu les ailes. Je mettrai des pneus un peu plus larges. Puis moi, je changerai peut-être les pouces au niveau des jantes, je verrai bien. Juste un petit peu pour la transformer, quoi. Pour lui donner un air un peu plus sportif. Mais sinon, on n'est pas trop mal comme ça. Ce petit Mazda Roadster AMX MX5. Moi je voulais regarder si c'était ça là-dedans. C'est pas nécessaire d'ouvrir les designs. Qu'est-ce qu'on a en design? Voulais voir, peut-être que je trouverai ce que je cherche. Ah non, il n'y a que celui-là. Ah, j'ai pas fait de. Donc ça veut dire que. Non, le seul concept que j'ai fait avec ça, c'est ça. Ah ouais. Donc ça veut dire que je suis en train de travailler dessus, mais sur Gran Turismo 7. Ok. Ok. C'est un Gran Turismo 7 que je fais. Bon, ok, ça marche. Moi je vais faire une petite arcade. Un petit arcade. Un course simple, je vais voir ce qu'il y a en course simple en arcade. Petit Fuji. Ah j'aime bien. Est-ce qu'il y a le panorama? Le panorama j'aime bien. Ou quoi que le circuit de la Sarthe il est pas mal. Non mais celui-là j'aime bien. L'après-midi ensoleillé. Je joue en auto. 19 000, ça paye pas d'air, je crois. Je vais essayer quand même. Je veux juste que qu'il me fasse une course sans. Sans les numéros de voiture. Sur le numéro de voiture. Ce serait bien sans numéro de voiture. GT40 et M3, et oh lolo, je sens pas bien cette course. Changer les pneus quand même pour essayer de j'ai passé en course tendre. Je suis passé en course tendre. Peu différentiel, je vais mettre un DGL comme ça. Je vais pas changer le DGL moi. Bon, bah, bravo moi. Allez, allez, on va s'éclater un peu.
Bon. On n'a pas amélioré son tour au dernier tour. Hein. Bon, je voulais voir si le replay en... Comment dire? Si la voiture était propre, intégrale. Ah, allez, il n'y a pas de numéro là. Okay. C'est ce que je voulais, qu'on voie la voiture complète. Ma vision de la Mustel mobile. Bon, j'ai fait pas mal de fraudes quand même. Ah. Pas de bonus de course parfaite, c'est que j'ai fait quelques fautes. J'aime bien ce circuit, il est beau, je le trouve beau moi. Puis j'adore cette petite portion là, j'ai que des virages là, c'est chou. En descente comme ça. C'est sport, je trouve ça sympathique. Bon, juste au passage, en sachant que Mustel c'est beaucoup des streams sur art et artisanat, je crois. C'est là que vous la trouverez le plus souvent. Des fois, elle fait des petits streams cuisine. Ouais, stream cuisine, vegan, je crois que c'est du vegan, hein. Je suis pas sûr. Souvent, je suis... Souvent, je suis en lurk. Quand c'est des streams cuisine comme ça, je suis en lurk. Moi, je suis pas très... Je suis pas vegan, moi, je suis... Un omnivore, un vrai, un pur, un dur. Donc je mange de tout. Je reste fan de... d'une belle entrecôte. Oh ouais, une belle entrecôte. Belle entrecôte de bœuf là. Pas bleu, bleu, j'aime pas, c'est pas assez cuit, mais un petit saignant, tu vois. Belle entrecôte saignante là, c'est un peu de poivre, un peu de sel, des fois pas grand chose, hein. Hop.
Ouah, bon, c'était caché là, de boucher là. Ah, c'est autre chose que les steaks hachés du McDo, quoi. Que les crêpes là qu'on nous met dans les sandwichs. Ça, c'est bon aussi. Voilà, bon steak haché du boucher. Pareillement que tout à l'heure, là, un peu de sel, un peu de poivre. Je me fais un. Pas une omelette, comment on dit ça? Le jaune et le rond au milieu là. Le jaune et le rond. Le jaune. Le blanc de l'œuf qui est cuit là. Vous cassez. Un œuf au plat là. Un œuf au plat par-dessus. Le steak là. Et pareil encore. Un petit peu de sel, un peu de poivre. Bon, après, ça fait de la protéine, hein. L'œuf, le steak. Après, pense à manger des légumes aussi quand même, mais voilà quoi. Ça, quand vous coupez l'œuf sur le steak, il y a le jaune qui se perce mais qui coule sur le steak haché bien saignant. Fait près que le sel, poivre, tout ça, ça se fait un auto mélange, on va dire. Voilà. Trop bon, trop bon. Mais bon, voilà, hein, Mioustel, vous la trouverez en arrêt artisanat. De temps en temps, je pense que d'être. Je sais pas comment c'est déjà l'intitulé. C'est un truc cuisine, un truc comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, donc, que nous sommes quoi, le 28 septembre? 28 septembre 2022? Au jour d'aujourd'hui que je suis encore en train de suivre Mademoiselle Mustel, elle bosse sur du. Sur une maquette Gundam. Voilà. Sa maquette MX5 l'a mis de côté, comme elle m'a dit. Voilà quoi, aller lui faire un petit coucou de ma part. Au moins, si un jour elle vous pose la question, oh, comment tu m'as connu? Connu Mustel suite à une création de AV, c'est lui qui hein. Mon concept de sa voiture de rêve, comme on dit, comme elle a dit que c'était sa voiture de rêve, la MX5. Donc voilà, non, mais c'était bien. Moi, je vais m'arrêter là, moi, les amis. Franchement, on se reverra, je pense. Cet après-midi. Bah, si je fais pas comme la semaine dernière, comme je dis, suite à la WC, souvent j'ai des phases de sommeil qui arrivent par surprise. Et la semaine dernière, je me suis endormi, il n'y a pas eu de stream de Gran Turismo la semaine dernière. Franchement, je suis désolé. Mais normalement, s'il n'y a pas de soucis. Je stream sur les coups de 15h sur du World of Warcraft. Je stream sur du World of Warcraft. Et puis on se retrouvera après jeudi soir 21h30 pour notre petite partie de Guild Wars. Hein, comme d'habitude, chat, Discord. Et on part à l'aventure ensemble, quoi. Par l'aventure, je me fais escorter par les meilleurs quoi.
Parce que c'est pas moi qui va faire le lead. Moi, je suis un peu perdu sur Guild Wars. Donc voilà quoi. Le mardi, on a fini Nightfall, donc ça fait que normalement jeudi, on partira sur du Ice of the North. Hein, si je me trompe pas, si je mon anglais est bon, parce que normalement c'est ça. Hein. On a attaqué cette dernière extension de cette licence qui est Guild Wars. Guild Wars, premier du nom, parce qu'après ils nous ont sorti un peu Guild Wars 2, mais Guild Wars 2 se ressemble plus. C'est pas tout à fait la même chose, ça se joue pas pareil. C'est moi le peu que j'ai joué à Guild Wars 2, c'était j'aurais plus passé, ouais, ça serait passé plus sur du World of Warcraft dans le même style. C'est vrai que Guild Wars 1 c'est assez spécifique, tout se joue beaucoup sur les compétences qu'on utilise. Voilà quoi. Après moi ça sera à moi d'apprendre à changer mes builds comme on dit par rapport au coop et tout. Parce qu'après je pense que je repartirai sur du hard mode plus tard. Et il faudrait que je fasse aussi les zones élites, petite idée de Naospatien. Il faudra que je réadapte un peu tous ces builds. Donc voilà, moi les amis, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin. Je vous remercie un peu du soutien, puis votre présence fait vivre la chaîne, donc c'est top quoi. Merci de faire vivre cette chaîne. Et moi je vais vous dire à très très bientôt. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. Bon après pour ceux qui regardent les rediffs, donc ceux qui sont arrivés jusque-là, et qui me connaissaient pas, si ça. Comme on dit, hein, allez-y, hein, allez-y, follow, on partage, on like, on s'abonne. Et puis, on met le. Comment c'est déjà là les petites notifs pour savoir quand je live, quoi. Sinon, les lives programmés, il y a le mardi soir, 21h30, mercredi matin, 10h. Le mercredi après-midi 15h et jeudi soir 21h30, voilà. Donc ça c'est les streams plus ou moins programmés. Après ça m'arrive que je fasse des streams, moi j'appelle ça sauvage. En sachant qu'il y a des dates qui vont changer. Par exemple le mercredi je vais peut-être changer des 2-3 trucs, je sais pas. Mais pour l'instant on reste comme ça. Que ça fait quand même deux gros streams et vu que la semaine dernière je me suis endormi, peut-être que deux aussi c'est peut-être trop pour moi, donc faut que j'essaie de faire des petits programmes sur la semaine que de faire des gros streams. Et après je me dis si j'ai besoin de si je m'en sens la capacité, je peux faire un stream sauvage. Quand ça me donne envie. Quand ça me donne envie, quand j'ai envie de partager une petite partie avec vous. Donc voilà quoi. Donc je remercie Dark, je sais qui était là, qui était présent. Et je m'excuse, franchement je m'excuse. La Dobby Mobile, j'ai pas pu te la montrer ce matin. Parce que la Dobby Mobile se trouve sur Gran Turismo 7. Mais bon, je te ferai peut-être. On la sortira peut-être mercredi prochain. Vu que je vais voir pour faire un transfert de la Mustang Mobile, je vais essayer de la transférer sur Gran Turismo 7. Et j'irai voir pour changer le spoiler avant, puis le bas de caisse là, pour la rabaisser un peu plus. Je pense que je rajouterai un aileron, j'irai élargir la voiture, j'irai au niveau des ailes là. Je pense que je mettrai des pneus plus larges, peut-être que je changerai les jantes, mais je sais pas. Un petit aileron et puis voilà quoi. Donc je pense que mercredi prochain je referai une Mustel mobile mais sur Gran Turismo 7 je pense.
puis bah si t'es encore là Dark, tu pourras faire peut-être faire ta demande quoi. Tu pourras faire à ta demande quoi. Voilà. J'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Hop. Non, je pense que je vais m'arrêter comme ça en sauvage ce matin. Je sais pas faire de raid. J'ai pas raidé ce aujourd'hui. Mal machin, il y a rien qui m'interpelle. Non, il n'y a rien qui m'interpelle pour ce matin. Pas de now, pas de data. Oh non, pas lui, n'est pas là. Non, tous ceux que je suis, hein, je sais pas beaucoup de monde que je suis qui écho ce matin. Ils sont peut-être tous au boulot, hein. Ça arrive, hein. Toute la bande Guild Wars, là, n'est pas là ce matin. Pas de now, pas de Olvar. Oh non, pas lui, pas non plus, pas de Dargaz, hein. Pas de guitare, pas de Greg. Hop. Pas de Devius. Pas de Kalechin. Non. Pas de Dixie. Pas de Dixie, non. Non, la commu Guild Wars n'est pas connectée. Après, j'ai pas beaucoup de streamers que je suis au niveau de Gran Turismo. Donc, je vais pas vous envoyer. Et je ne vais pas à la recherche d'autres streamers. J'ai tellement que je suis que des fois, je sais plus où mettre de la tête. Donc, je préfère laisser les gens venir à moi. Et après je rends l'appareil, mais là j'ai trop de monde. Ouais, non, ça fait trop là. Bon les amis, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous un bon appétit. Moi j'allais faire à manger, l'heure du repas se rapproche. C'est quoi, les 11? Et quoi, midi moins 20? Et ben, enfin, j'ai préparé le repas pour mon petit garçon. Et puis ben, grand grand merci à tous encore d'avoir suivi ce live quoi. Et puis ceux qui ont regardé la rediff, et ben, merci à vous aussi hein. Merci d'avoir regardé cette rediffusion jusqu'au bout. Et puis voilà quoi, AVC Lucky sur Twitch, sur YouTube, et ma femme se fait des délires sur AVC Lucky TikTok. Donc maintenant il y a TikTok aussi, il faudra que je le marque quelque part un jour. Mais voilà, moi sur ce, je vous dis à très 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 bientôt et à la prochaine. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, bah, moi je vous dis normalement, si je me trompe pas, à cet après-midi. Allez les amis! Bon appétit à tous. Ciao, ciao.